muri busangaye naje ko yemisa nzembo nangaye nzembo wana nyenye nzembo wana demarrage forte yango yewe mzarelelo apoya Nous sommes à Pessibène, Bino, bonne fête. La guerre, vous voyez, mais ça ne s'est pas engagé. Nous sommes à Nénié. Nous sommes à un démarrage fort. Yango, vous allez l'élo. Nzembo wana démarrage fort yango yewe mzalelo démarrage fort yango yewe mzalelo Nzembo wana démarrage fort yango yewe mzalelo Nene Nzembo wana démarrage fort yango yewe mzalelo Nzembo wana démarrage fort yango yewe mzalelo Thank you.
Au nom du Père, qui papa, qui solo kele lukelo, du Fils, dit papa, dialungana kiangani, du Saint-Esprit, dit papa, dienginda kuntima, les trois glorieux, sa divinité, papa, simo kimangu kiangani. Mes chers amis, aujourd'hui, on a un jour assez particulier pour notre communication de ce jour. Si vous permettez le temps que je mette mon matériel en place, je suis votre communicateur dans le cadre de cette structure qu'on appelle le Média Kimbanguiste. Nous sommes donc aujourd'hui le 1er juin en l'an 2023. Le mois de juin que nous allons commencer aujourd'hui, que nous avons commencé donc aujourd'hui, c'est un mois assez particulier. Parce que nous sommes en l'an 2023. Le 1er juin en l'an 2023, nous savons ce que c'est que l'an 2023 pour nous qui faisons partie de cette nouvelle civilisation. Cette civilisation qui a pris le jour le 6 avril 1921, quand le Tout-Puissant, l'Esprit de vérité, Tata Nkwatulendo, Tata Kimbangu Ier, commença cette action pour la restauration de l'humanité dans son état premier. C'était donc un 6 avril 1921 à Kamba, la nouvelle Jérusalem, the new Jérusalem. Mbanza Velila, Jérusalem Midiampa. Mes chers papas et mamans, l'instant est grave pour nous. C'est vrai que ça fait un petit moment que nous avons eu l'occasion, n'a pas eu l'occasion de venir en face de vous pour essayer d'échanger, bien de communiquer sur ce qu'est cette nouvelle civilisation, du cas du Mediaki. Le Mediaki, c'est une structure communicationnelle qui régit tout ce qui est par tout ce qui fait partie de la communication. Parce que Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, Tata Nkwatulendo, celui qui nous investit toutes les capacités d'action, nous dira pendant mes 5 mois en Kamba, parce que après avoir pèleriné 19 ans en Europe, j'ai eu la chance et la grâce, la miséricorde de Tata Kimbangu de me récupérer. Et donc, je fus monté en Kamba et je suis resté 5 mois là-bas. Et pendant mon séjour de 5 mois, où j'avais pas mal assisté à pas mal d'événements, entre autres, surtout en ce qui concerne cet outil de communication, cet moyen de communication, ce don de communication que nous a disposé, nos doyens de communication étaient montés en Kamba pour nous donner ce qu'on appelle un séminaire de renforcement de capacité. Et c'est pendant ce séminaire où j'avais remarqué certaines choses qui ne sont pas tout à fait convenables pour nous les communicants. Et donc l'idée était venue de médias, les médias qui. Donc médias, papa qui nous appelle le disciple. Médias dans le mot média qui, c'est-à-dire médias, la communication, le multimédia, mais dans les médias il y a un cachet, c'est-à-dire c'est un acronyme. M comme messager, c'est-à-dire ceux que Tata Kimbangu envoie parce qu'on est ses disciples. E, évangélisation, donc pour une évangélisation, donc Ewaglion, donc la bonne nouvelle, exclusivement la bonne nouvelle. Divinement inspiré des actions de Tata Kimbangu ou des activités de Kimbanguisme. Donc, les médias qui, on est cette structure, comme qui dirait, née officiellement le 25 mars 1960, date à laquelle Papa Kimbangu, dans son deuxième visage, Papa Fumalongo Dienge Ndakuntima, disposa la caméra à notre doyen qui prit donc la caméra, Tata Kalamvuila. Celui qui prit la caméra pour exhumer, pour prendre les images de la cérémonie d'exhumation de ce corps du Tout-Puissant. Ce que Ézéchiel avait évoqué dans son livre, le 37, son 37e chapitre, chapitre 26, jusqu'à la fin, où il dit que je établirai mon alliance, ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Ézéchiel avait vu ça. Papa Simon Guimond l'avait montré ça bien avant. Et donc, il fut donc, c'était ce jour-là, le 25 mars, que nous fûmes nés des communicants du Tata Kimbangu. Mes chers amis, l'objet de ma communication, vous avez remarqué, j'ai commencé par cet acte que Papa Fumalongo, le structurant de cette institution divine,
Parce que c'est lui le bâtisseur, celui qui a structuré. Parce qu'il dira, mes chers enfants, n'oubliez pas l'organisation. Car savoir s'organiser, c'est grandir. Papa Djengenda Kuntima. Donc, la deuxième forme de Papa Simon Kimbangu, parce que Papa Simon Kimbangu fera trois déclarations quand il est descendu sur terre. La première déclaration, c'est celle du 12 février 1914. Qui solo kele kintinu kiamazulu, le royaume des cieux est descendu. Deux ans plus tard, nous venons de finir le mois qu'il est descendu sur terre, de nouveau. Ce qui s'est révélé s'est accompli. Et bien le Christ est revenu de nouveau sur terre. Ce dernier, c'est lui qui a eu la responsabilité de pouvoir accepter de vivre physiquement présent le 24 décembre 1992, quand nous réalisions que dorénavant, il était nécessaire de faire ce que notre aïeul Adam et Ève auraient dû faire. Kakambuki et Mamankenge. Quand ils commirent, quand ils furent victimes du coup d'État de Nkadi Ampemba, ils acquièrent, un sort fut leur jeté, les sorciers. Et ce moment-là, leur corps était occupé. Et donc, ça c'est la deuxième déclaration. Et la toute dernière, c'est en accomplissement de ce qu'il dira le 4 septembre 1910 à son ami d'enfance. Tata Kumpenda, Joseph, il dit, moi Kimbangu, je veux renaître de nouveau, 1918. Eh bien, il fut né de nouveau. Sur cette place, à l'endroit, allons en Kamba, vous allez voir cette place-là. C'est la place du 3 février 1989. La place où la carte d'Afrique sortit du sol. Et c'est là-bas que Papa Diangye Ndakuntima, Papa Kimbangu deuxième reprit la forme physique pour continuer cette action, de venir structurer cette insulte divine. Parce que ce Kimbangu, Papa Kimbangu donc, Tata Kimbangu Kiangani, il prit forme trois fois. Mono Simoni Kimbangu, Bouyaïza, Yabakankumbu Simoni Kimbangu, Bouyaïzi Didiaka, Mungiza Yanzole, Nkumbu Amediangenda Kuntima Yosefi. Yavutu kidi diaka, mungiza yantatu, mvutu dinkumbwame, Simoni Kimbangu Kiangani. Voilà. Et donc, il remise, dès qu'il est revenu actuellement. Et donc, Papa Kimbangu, deuxième, donc, disait tantôt, c'est lui donc que vous avez écouté. Ce fameux cantique, Alléluchachi. C'est en langue. C'est la langue communiquée par les anges dans les cieux. Mais ici, moi, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père, mon père donc, le père qui a engendré mon épouse. Il est diacre, à l'époque quand j'ai fait cette interview, il était encore diacre, responsable de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Le CSA de Nkamba, c'était le diacre responsable. Et là, depuis un moment donné, il est devenu pasteur. Je vais aller vers lui. Je vais ramener vers l'entretien que j'ai eu avec lui, lors du centenaire de Papa Diangye Ndakuntima. Oui, il m'expliqua, parce que lui, il a aussi une histoire. Papa Diangenda le prit très jeune dans l'est de la RDC. Il le prit, il le forma, il l'envoya en Europe pour se former. Et enfin, il l'envoya à cet endroit dont je vais parler, parce que ce mois où nous sommes, le mois de juin, pourquoi je parle du mois de juin? Papa Diangenda Kuntima, le jour qu'il exécute ce cantique, vous avez suivi, il dit, « A tous ceux d'apposé, démarrage !» Et Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa troisième forme physique, Papa Diangenda Simon Kimbangu Diangenda dira, là actuellement, Papa avait dit le chiffre 3, 5 et 15, 23, tout bandeli à 0. Tous les compteurs sont à 0. Mais 0, c'est selon les chiffres que nous avons pris dans le 1 quart. Mais nous, en tant que Kwamazae Diamandombe, nous qui avons la capacité, Papa Kimbangu nous a donné la chance de saisir cette chance. Le Mandombe prend demandeur. Parce que le Mandombe vient du verbe nommélé. On est un peuple demandeur. On est un peuple croyant. On est un peuple prieur. Nous adressons des demandes auprès des trois glorieux. Eh bien, ils ont entendu. Depuis 1978, il fit appel à Papa Obela Djompayi, ou qui est parti en Kamba pour se bénir au sacré. Et donc, 8 mois plus tard, en prière, Papa Diangye Ndakuntima, donc Papa Simon Kimbangu, ouvra les yeux
ou voir les Pakundungu et le Pelekete. Et ça, c'est une science qu'on appelle le Manombe. Et donc, le Manombe, donc, nous détenons actuellement des capacités d'expliquer les faits spirituels scientifiquement, s'il vous plaît. Donc, les mathémas. Parce que la science, c'est ce que le savoir. On croit Mazaï, le savoir. Et donc, grâce à cette science, le Manombe, aujourd'hui, nous sommes à même d'expliquer certains faits spirituels. Manombe, prends, toi qui demandes souffle. Et ça, c'est là l'exclusivité du Christ Jésus, papa Dialonga Nakenga. Parce qu'il dit Bolingo, Bolingo, Banabangai, Bolingo, Yangwe Pesaka Moto Mayele. Et oui, le Mayele, Ngahango, Zai, Zai, Zaya. C'est là. Le Père, le Almighty. Mi Beko, Banabanga, Mi Yangonde Fongola Yalola. Eh oui, parce que quand tu es disposé spirituellement, quand tu es dans l'ordre, ton corps et le temple ne peuvent pas se loquer, pas devant pas gagner mon. Donc ça n'évite pas ce mon gagner. Eh oui, le chétan est loin de toi, parce que tu es dans l'inédit, la ligne tracée. Et finalement, l'action, oui, le travail. Yangwe pe sakamoto lokumu. Rafou Malongo, Simon Kimbango Kuntima Kiangani. Eh oui. C'est lui. Et là, pourquoi j'ai fait le jeu de ma tété? Ma tété, c'est le temple. Après le temple de Kinshasa Mbobo, le second temple qui a été bâti, c'est celui de ma tété. L'œuvre des... Ah, mes chers Séraphins. Et là, je m'adresse à vous. Mes très chers Séraphins, que j'appelle souvent les apôtres de Papa Simo Kimbango Kiangani. Les apôtres de Papa Diengenda Kuntima. Les apôtres de l'esprit de vérité. Le 6 juin est imminent. J'ai demandé à mes confrères de la Ratelki Manza Kimbangu de me trouver le fichier vidéo où sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, tout dernièrement, après 5 mois à Manza Kimbangu, il est revenu 2 mois plus tard. Il a fait encore 2 mois de nouveau à Manza Kimbangu. C'était un soir. Il a fait appel à notre doyen, Papa Missiple, pour relater les faits de la charge. Et plus précisément, le papa Notia Yakanda, en l'évoquant, le Kinkewa, Kinkewa. Et là, les musiciens, mes chers Séraphins, on est à jour J, moins 5 du grand événement du 6 juin. Parce que cette divinité, Tata Kimbangu Kiangani, tel qu'il est revenu, il est venu construire un kamba. Celui qui l'a donné la charge lors de la remise et reprise, le Christ Jésus, Papa Dialungana, 123 ans, 2024 ans, 23 ans aujourd'hui, comme il dirait, de sa première venue à Nazareth. 107 ans aujourd'hui, de sa seconde venue, c'est lui qui légale la place, qui laisse la place à Simon Kimbo, Papa Fumolongo, Simon Kimbo, Kiangani, cette divinité. Il dira: Tata Simon Kimbangu Kiangani, Tata na yo atike lakiyo, Mokumba ya kobikisa libota ya baindo, Omboka yelu selemi oyo nkamba. C'est un kamba. Nkamba, c'est la source de notre existence. Nkamba est la priorité des priorités. Nkamba est notre souci absolu. La bâtir est notre préoccupation première. Quand nous nous levons, nous dormons, Nkamba doit être dans nos têtes. Comment faire? Quel moyen? Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui moi pour Nkamba? Comment puis-je contribuer? Nkamba, la nouvelle Jérusalem. Nous satambula makanda manza. Oh, Yisu ke no yonza ke sa ke louvila kanaku. Donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans son retour actuel, quand il est revenu, 1951, le 12 octobre, et quand il a pris à 50 ans d'âge la charge ministérielle de cette institution divine, qui est donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu,
qui est notre loge à nous, parce que moi, c'est un politique. Mon modèle politique, c'est d'attaquer sur le Kelo. Mon modèle spirituel, scientifique, c'est le Christ Jésus, papa de l'Omaraka. Et mon modèle scientifique, c'était attaquer Mbangu. Kuntima Kangani. Attaquer Mbangu, Kuntima Kangani. C'est ça, mon modèle spirituel. Et donc, quand je vais à l'église pour venir acquérir, c'est ma loge. C'est ma loge. Donc, quel est de loge du système satanique, mais ma loge à moi, c'est une kamba. Et donc, papa Kimbangu, donc, en révélant, moi, je vous explique, il dit, quand il a commencé cette action de construire une kamba, au niveau des, ce qu'on appelle, nous, on peut appeler ça, les organisations de masse. Entre autres, donc, les groupes et associations. J'étais qui, Fluki, Faki, j'ai qui, entre autres. La grande cour, les dirigeants, donc tous ces organisations de masse qui font partie de cette nouvelle civilisation, papa avait commencé par les musiciens, mes confrères musiciens de la Faki, parce que moi je suis musicien du groupe des guitaristes qui m'ont dit j'ai qui. Mais les ceux que les séraphins, Séraphin, c'est eux qui avaient le privilège, parce que c'est eux, le 6 juin 1921. C'est eux, quand l'ange sortit de sa foutier pour venir délivrer, parce que la désolation que Shaitan avait prévue, papa Kimbangu dira, non, le moment n'est pas encore venu. Moi, je vais continuer à faire mon œuvre. 5 mois, les cinq mois, papa Kimbangu Kangani, donc les cinq en lui. Qui Tataki Solokele, dit Papa Dialongana, dit Papa Diagenda, qui Kimbangu, donc leurs parents, qui Mama Kiawan, qui dit qui. On va faire une petite leçon avant de continuer. Papa Kisolokele dit l'être. Papa Dialongana dit l'être. Papa Diagenda dit l'être. Ça fait 30. Mais les parents, Papa Kimbangu, Kimbangu, 8 lettres. Le nom. L'appellation victorieuse de cette Sainte Vierge que ceux qui avaient déifié à l'époque, donc même si dans un peu, il y avait un peu d'hypocrisie chez eux, j'ai passé 30 ans avec eux là-bas. Bref, Ngudialongo, c'est l'appellation appropriée. Ngudialongo, Kiawanga. Kiawanga a 7 aussi. Si vous prenez les parents à l'association, parce que ça forme une seule personne, par le mariage, Kimbangu avec Kiawanga, ça devient 8 plus 6, ça fait 16. Or, le 16, en guématrie, 6 plus 1, ça fait 7. Donc, prenons donc, les 7 et les 10. Les 10, ça fait donc 37. Donc, Tata Kimbangu Kiangani, c'est lui donc le patron, la quatrième génération, le père des 37 000 familles. Les 37, le chiffre 37. Si vous prenez Kimbangu Kiangani, vous retrouverez le chiffre 16. Kimbangu Kiangani, 8, ça fait encore 16. Donc, c'est le 7. La perfection, le chiffre de la perfection divine. La personne divine, donc Dieu. 7. Donc, Tata Kimbangu est l'homme 37 000 familles. Donc, on dit, qui ça correspond à 37 000 familles. Avant de poursuivre. Mes chers amis, je reviens à cet événement du 6 juin. Et donc, ici, je vais faire allusion à la charge qui vous a été confiée, vous les musiciens. J'ai échangé avec mon grand frère, papa Simon Toto Matosiwa, la descendance de Tata Matoubantoto, la postérité, comme qui dirait, de Tata Matoubantoto, parce que c'est qualificatif en français, c'est quelqu'un qui a des nations en l'air. Mguna, tata, nous dit Mguna. Mguna, tata, tata, tata. Kinkewa.
mon beau-père, Tata Théo, le reverend pasteur Théophile Migo, papa d'Angenda l'envoyait là-bas. À Kinkewa, ce sont eux qui avaient la charge. Et sinon, c'est là-bas, papa d'Angenda Kuntima leur expliqua ce que c'est que cette chanson que Prof Molongo d'Angenda Kuntima vient de faire à l'ISO ici. Donc, moi, je, si ma communication consiste à vous rappeler, à nous rappeler, nous, les musiciens, les Kimbongis de manière générale, mais ceux de la Fakir en particulier, les apôtres de Papa d'Angenda Kuntima, les séraphins de Kimbongo, parce que les musiciens ont pour charge de glorifier l'éternel de manière continue, spirituellement dans les cieux. Parce que leur outil de travail, qui est donc cet instrument avant, le souffle. Le souffle là, c'est le souffle Papa d'Angenda Kuntima nous dispose sur terre. S'il retire le souffle là, vous n'avez plus rien, on repart sol. Ntotompolo, Mouna Ntotompolo. Donc le souffle de vie là, c'est avec ça que vous vous exercez pour glorifier Papa Kimbangu Kiangani. D'ailleurs, c'est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Le chef suprême de la fanfare Kimbangu. Vous avez la charge de monter en Kamba. Et donc, Papa Fumolongo, dans la vidéo que je demandais à Papa Brel, notre prod, chargé de prod de la Katéki Mazadi Mangou, ex-Brazzaville, vous excusez le terme, moi j'aime pas trop le terme de qui me rappelle certaines choses qui ne sont pas appropriées pour moi. Donc j'appelle ça Mazadi Mangou car c'est la porte de la nouvelle Jérusalem. Mouelo Yélo-Sélémi. D'ailleurs, il a enlevé le qualificatif qu'il avait à l'époque. Il disait ville phare. Non, il dit je n'ai plus phare. Phare là, c'est porteur de lumière, Kadia Pema. Fini ça. De renoncer, c'est Mouelo Yélo-Sélémi, la porte de la nouvelle Jérusalem. Cam. Donc, je dis tantôt que donc là-bas, le 6 juin, l'ange sorti. D'ailleurs, nous avons vivre les événements. Si pas seulement Dimango Kiangani le permet, on va parler. Si tu comprends pas Dimango, tu vas parler des événements de Dimakenge. Parce que pas seulement Dimango, par les gestuels, pas. Il les dépose à Dimakenge, pas. Et lui se retrouve à Mwanzakenga. Et Mwanzakenga, comme par hasard, c'est là-bas que a été mise en place la résidence de notre Ngudia Longo. Diangenda Kuntima, Lufinama, Francina. La source a réservé Mwanza Kenga. Et c'est là où passe moi qui m'a été fait voir pour regarder les événements qui se déroulaient à Kamba le 6 juin 1921. Papa et maman, chers musiciens, mes chers confrères et grands frères, dans cette charge de la fanfare Kimbanguiste. Parce que c'est vous êtes l'instrument avant, le souffle, le pneuma de Tata Kimbangu Kiangani. La charge de ce territoire de Kinkewa. Kinkewa. Nkewa, vous savez ce que c'est? On nous avait qualifié de Nkewa, nous. Nkewa, ce que ça veut dire, c'est Nkewa. Quand on dit Nkewa, c'est comme le chimpanzé. Donc, cet animal qui a la forme humaine. Papa et maman. Avant de continuer, pourquoi Kinkewa? Pourquoi vous avez la charge de Kinkewa? Je veux revoir mon beau-père dans ce témoignage qui me relata, qui m'expliqua ce qui s'est passé exactement par rapport à ces contis qui sont venus à Lushashi. Alléluia. Ah, non, je ne vais pas le dire dans un peu de temps. Je vais voir mon beau-père, vous expliquer cela, si vous permettez. Bonne technique, on va faire avec. Je vais vous mettre donc ce qui se dit à propos de Kinkewa. Pourquoi Kinkewa? Allons voir, allons suivre mon beau-père, ce qu'il m'a dit lors du centenaire, parce que je l'avais enregistré en Kamba, pendant le centenaire de Papa Fumolongo d'Angenda Kuntima. Suivant, Papa Théophile Migo. Suivant. Yaka ni yango ekabulaka mutu na nzambe yango nde boti na ekobo na moyibi na boswana euti kaka source nango ezali Kindoki yango wana biso toye twete eloko wana elongo oyo nyonso akolongola yango lola ezali ya orfena mpona yo asi balotatata bienge na yesakaiso. Merci beaucoup, nous avons été branchés dans la télévision ou média. Papa, tout à l'heure, il y a un petit peu de guitariste à Mazadi Mango. Excusez-moi, Brazzaville, excusez-moi du terme, moi j'ai plutôt appelé ça Mazadi Mango. Je suis désolé, hein, m'excuserez. Il va dire à Makamodon, il y a un bon, il y a son dernier, il n'y a pas de même ultime.
comme ça qui va résumer, va dire nous sommes marquants les faits tant que papa c'est moi qui m'en ai parlé dans le cadre au sein de mon bégaga allez nous chercher ils ont mon noco il y a l'homme mon bambou va te comprendre comment le bâtir est-ce que vous allez moi ne t'en voulez pas pourquoi ils aiment moi ndenge na uti koloba ke na ba centre agricole tozalaki panzembo ya langue penza ebandaki na Kingewa centre agricole ya Kingewa d'où nazalaki parmi ba volontaires ya centre agricole ya Kingewa nzembo wana lelu ya charge ezaki ba inspiration ya bana koreki et y a qui comme tant nous aimons on est yémami, bah y a qui croyait que les services yango peine à kikongo, kikongo nango, bah y a qui les services yango. Pourquoi tu as vu son équipe pas comme ça? Mais oui, malgré mon gros soutien des gamins, yo c'est une musicien, alors pourquoi t'as pas trombone? Trombone c'est moi la bête à Chiba. Chiba, personne n'a été Chiba. Chiba est ça. Zemo wana alléluia che alléluia kies alléluia kies alléluia kies alléluia kies kala mwela ame bua toka neswa kwa mbeni Mulendo kya ku, mulendo kya ku, tala ndungini. Tala mwela amebuwa toka neswa kwa mbeni. Mulendo kya ku, mulendo kya ku, tala ndungini. Pina mangi mfumu mwela me. Yeki nzanga nzambia mpungu wiza. Nyoka, ebimeli ye, boa.
alobite atika na sesofe na mibwaka na mai atala boyengando na mai afumuli mundo kwa zoze lae. Na sela nzete liyo, na nikolo nyoka na mai ngando. Abelele alobi, nani ako kiko piki sangai suki tatanza mbete. Tina ya nzembo wana mususu. Alonga nzembo wana papa, uchinga yezala kipona kubenga modimo musantu aya osekuru na likambo ya salile ye. Oya mibaleza leke nzambe kaka mundu wako kiko bigi sangai na pasi onazala yango. Yango wana bana nangai isoto yaki pona pasi ya mutu mwindu eko kagusila. Ngaili ya ngenda na ye tuete lala disabino nzela sembo kuko kiko tambu la nango. Masi wapalu wapokusio papa yu sana disona nzembo na wano tukuka. Papa nzembo wana mwili msangai pa matema mwki mwazula nda. Tuli hiko zombi la mutu bita yako mwke mwke. Donc les phrases par phrases, la littérature. Nous avons un mot de l'objet. Allez nous chercher. Donc il faut que parce que vous traduisez en même temps, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez forcé, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia, alléluia, qui est-ce? Alléluia, le bonheur, la joie. Alléluia, qu'est-ce donc la joie, le bonheur, oui, la l'Église. Salamuela, amen, bouato, kane, soit bambin. Mon âme est perturbée par l'ennemi, donc Satan. Mon lendo kiaku, talandungini. Grâce à toi, grâce à ta puissance, aujourd'hui j'ai vaincu. Fila mange fumu mwela me. Approche-toi Seigneur, viens vers mon âme. Ekinsanga nzambia mpunguiza. Et que sur mes larmes Seigneur arrive, viens. Mbolo dialofwa menge wangatudi. Voilà, chers amis, vous permettez donc cette communication. Vous avez fait état de cela parce que mon beau-père, le grand pasteur, était parmi les musiciens que Papa Fumalong avait envoyé à Kinkewa. Et donc Kinkewa, c'est l'un des parmi les projets phares. Il y a Kunzulu, le centre industriel, qui est là donc, où Papa Simon Kimbangu était allé renoncer. Et là, nous ferons une communication là-dessus parce que c'est très fondamental et c'est important. Nous verrons pourquoi et comment. Dans notre temps donc, les musiciens, vous allez démarrer quelque chose de la saison. C'est la saison estivale. Vous, les jeunes qui sont en France ici, en Europe, les mes chers, et là, je vous félicite parce que les jeunes musiciens de la fanfare en Europe, ils sont très consciencieux, surtout en ce qui concerne la charge qu'ils ont. Donc, chers papas et mamans, les musiciens, dans le monde entier, la date est imminente, le 6 juin. Je fais encore dire, monsieur, pourquoi? Parce que mon beau-père, là, vous savez, il est de l'est de la RDC, mais il est papa Diangé, il a pris très jeune. Je ne vais pas parler de son témoignage ici, mais en fait, c'est là-bas qu'il a appris le Kikongo. Il parle au Kikongo couramment, on croirait qu'il est de nature, c'est comme s'il était né dans le Congo central. D'ailleurs, il parle du Kikongo et tout ça. Allez le chercher, il habite à Ueno, dans le camp Ueno, là-bas, le grand pasteur, pour vous relater votre témoignage, je confie dans mes confrères musiciens. Allez le voir, c'est un tubaniste que vous avez dit tout à l'heure dans le témoignage que j'avais recueilli. Le fichier existe, il est disponible sur mon compte YouTube, Bolivia Congo. Vous allez trouver ce fichier à l'intérieur. Excusez-moi, les moyens techniques disposent par contre une fausse défaut de faux. Donc, c'est la colle qui a cédé. C'est pas grave. Donc, je disais tantôt que donc, le fichier est disponible sur mon compte YouTube. Vous allez le voir. Je vais vite fait parce que le fichier, le temps est imparti. Alors, donc, le 6 juin, c'est vous, encore la responsabilité des musiciens. De la fanfare Kimbanguiste. Papa Diangé, papa Simon Kimbangu premier. Quand il quitte Madame Sanda pour venir se rendre auprès de ses bourreaux, avec maman, ce qu'on appelle maman Mbonga Thérèse. Lui, parce que maman Mikala n'était pas la seule femme. Il y avait une autre dame, une autre maman qui était avec elle, à côté, qui travaillait avec Simon, l'une des apôtres. Cette dernière. Papa Simon Kimbangu avait montré la fanfare Kimbanguiste. En ce moment-là, elle n'existe pas physiquement. Parce qu'on est 121. Celle que nous avons aujourd'hui, elle est à peine 1950 et qu'elle donne les années 50. Mais donc,
papa Simon Kimbangu montre la faveur qui bangisse. Maman Kinzembo, elle vit le témoignage, elle vit la, elle remarque cette allégresse divine, cette félicité divine. Il dit, papa Simon Kimbangu, ah, moi je suis ton serviteur, ta servante. Là, dès que tu m'as montré le bonheur du paradis, là, s'il te plaît, papa, est-ce que tu vas permettre que je puisse pour moi mourir pour que j'aille vivre mon bonheur? Parce que si on rebaptise, dès que nous avons vaincu notre mission ici, on a gagné, mais on repartait, peut-être que j'ai encore trébuché par rapport à mon comportement. Papa, s'il te plaît, permets que je puisse mourir. Et effectivement, papa Simon Kimbangu avait exaucé le vœu de Mambonga Thérèse. Et Mambonga Thérèse, son cimetière est à Kinkewa. Et mon beau-père, papa Dianguenda Kuntima, je ne sais pas si c'est pas de je crois, qui avait demandé, faut qu'il aille prier là-bas au cimetière. Et c'est là-bas qu'on a ouvert la communication avec Congo. Donc parfois, nous, ces différents sites agro-pastoraux là, c'est des sites qui sont riches spirituellement. C'est pas à négliger. Donc, quand pas Simon Kimbangu Kianga nous dit aujourd'hui, surtout dans le cas de Lukaya, les trois secteurs, c'est des endroits qui sont riches spirituellement et c'est là-bas que nous devons construire, bâtir. Et c'est là-bas que nous devons, ce qu'on appelle cette notion de colonne à Pekobokola. Colonne à Kobokola, Ezali Maloba ya Tata Kimbangu Kiangani. Donc nous devons construire, bâtir l'agriculture, l'autos, nous devons consommer bio, mes amis. Vous savez, j'aurai l'occasion de faire une thématique là-dessus à propos de l'alimentaire et le corps. Parce que ce que nous consommons n'est pas en phase avec la terre naturelle. Le Nkadiam Pemba, à travers cette connaissance qu'il a acquise, cette corruption qu'il a entreprise ici sur terre, à travers les hommes de science qui combattent Dieu, il crée des aliments, l'alimentation qui sont plus en phase avec le corps humain. Et du coup, le corps humain est, en consommant ces produits sont en inadéquation. Donc, ça provoque la dégénérescence des cellules. C'est une maladie qu'on appelle le cancer. Mais le cancer, c'est quoi? C'est la dégénérescence des cellules. Parce que nous consommons des choses qui ne sont pas combinées avec le corps. Voyez-vous? Or, papa qui m'a dit, consommons bio. Et donc, Kunzulu est là. Papa et maman, c'était une communication du média qui. Nedrobak. Et bête bien. Ah là là. Tosa. Nous avons, c'est bon à voir, et bientôt, ça, c'est bon à voir. Tous les amis, merci, papa Simon Kimbangu. Chers amis, merci, papa Simon Kimbangu le permet, papa Simon Kimbangu le permet. Nous reviendrons de nouveau pour notre communication, c'est confié le média. Et bientôt, bien, et bientôt, j'ai qui, j'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kangani. C'est bon. On vous donne de la force. Allez, c'est bon, on y va. On sur scène. Désolé. Désolé pour la booster. Voilà. Tata Kwatuledo. J'ai qui? Rendez-vous, mes chers guitaristes. Nous, on a notre rendez-vous le 16 août. La date de la remise et reprise. La famille royale. GG qui? Toza Nazamena Biso. Yeoyo. Tata Kwatuledo. Sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Fokole. Stomanana.